Eh bien salut à tous les amis, c'est Fandy et on se retrouve pour un deuxième épisode de Ragnablock saison 3, épisode où je suis tout seul aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu dans l'épisode 1, je suis arrivé largement à la bourre sur le serveur, ce qui fait que tous les autres ont déjà fait leur maison au spawn et compagnie. Vous pouvez aller voir les constructions sur leur chaîne. Mais moi voilà, j'ai toujours pas fait ma maison, donc ça va être l'objectif du jour. À savoir que donc là, on est sur la partie qui est réservée donc à la Légion d'Atomes, puisqu'on a la maison de Fred Lawless ici et la maison de Tigra qui est juste là, avec une jolie petite statue ici et le Drakkar de Tigra ici. Et moi, je vais m'installer, je pense, voilà, là il y a le chemin qui descend jusqu'ici et je pense que je vais m'installer par là. Je sais pas encore exactement où. Voyons, est-ce qu'il y a un coin éventuellement sinon qui pourrait être mieux, mais bon. Tac 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 tac. Ah, de ce côté là ça pourrait être sympa aussi. Ouais, quoi que, non ça va être limité. Donc voilà, je vais m'installer à ce niveau là, donc au bout de ces petites marches. Désolé Tigra si c'était un espace réservé pour la pêche ou quoi. J'ai commencé à me préparer un coffre avec un petit peu de matos et tout ce qu'il faut pour ma construction. Donc il va falloir que je rajoute une petite plateforme de terre sur cette partie afin de pouvoir construire ma maison dessus. Donc on va faire une petite ellipse le temps que je fasse tout ça et on se retrouve après. À tout de suite. Et nous revoilà les amis, donc ça y est, j'ai fini de mettre de la terre partout, la verdure est en train de reprendre ses droits petit à petit, et donc on va faire la maison ici. Alors j'ai pas prévu un truc ultra énorme non plus hein. Mais on va essayer de faire une petite maison assez classe. Alors ce que je voudrais, voyons, ce qu'on va faire descendre en fait depuis l'escalier ici, je vais casser le mur et refaire un escalier qui descend de ce côté là avec un petit chemin qui vient jusqu'ici. Et la maison, bah du coup on va attaquer à peu près par là. On va commencer ici. 2, 3, 4. Hop. Donc, tac tac tac. Allez, on est parti. Ça va tomber où là? Là, 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 là. Encore un petit peu. Voilà, par là ça devrait être pas mal. Ok. Donc là on va avoir la façade avant de la maison, donc on va rajouter des petites poutres ici, hop, qui sortent. Tac, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de long, impeccable. Donc ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Non, 8 d'espace, 10 en tout. J'ai une hache normalement, voilà. Donc là. Est-ce que c'est bien ça? Et je me suis perdu déjà. Ça fait 3 minutes qu'on construit, je suis perdu, c'est ça. Voilà, 4 aussi. Les dégâts de chute. Ouh, mais je suis pas loin de mourir, moi j'avais pas vu. J'allais dire les dégâts de chute, on s'en fout, mais pas tant que ça en fait. Alors, on va récupérer un petit peu à manger. Histoire de remonter la vie. Je vais essayer de me dépêcher parce que la nuit va pas tarder à tomber en plus. Donc après avec les mobs et tout on va bien s'amuser. D'ailleurs on va rajouter quelques torches là parce que pendant la partie où j'ai posé un petit peu de terre partout, j'ai eu la visite de un petit creeper et quelques zombies. Je suis pas mort mais j'ai pris une bonne claque quand même. Alors, tac. Là on repart. Allez. Ah, il doit vraiment bientôt faire nuit en plus. Ah mais je suis... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouh, je suis parti trop. Non, trop. Est-ce que je vais attraper d'ici? Non, évidemment. Là. Et la nuit tombe, ça y est. Donc on va essayer de se speeder un petit peu. Au moins pour finir les petites fondations, si je me fais attaquer. Hop. Là.
Tac, tac. Voilà. Donc la maison va être basée sur ceci à peu près. Du coup, à côté de la maison, je veux faire un genre de petit jardin, on va dire, fermé, qui va être fait avec de la cobble, de la roche. On va voir un petit peu. Je vais voir un petit peu pour le design. Vérifie quand même. Bon, normalement, avec l'éclairage que j'ai mis, ça devrait aller. Devrait pas avoir de soucis. Donc, on va se faire. Ouais, on va mettre ça direct. Hop, quelques pierres taillées. Hop. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'ici, il y ait le mur. Alors, pas ici, mais légèrement en retrait. Ah oui, vous pouvez voir aussi, vous l'avez pas vu ça, parce que ça s'est passé après l'ouverture, que j'ai réussi à trouver du diamant au bout d'un moment. Et à me faire une pioche en diamant. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Enfin, j'ai trouvé quelques autres diamants que j'avais laissés au petit premier abri, on va dire, qu'on s'était fait avec Fred et Tigra. Mais que j'ai laissé, je sais pas s'ils sont toujours ou pas d'ailleurs. Je verrai ça plus tard. Alors, on va construire ce mur. Donc, pendant la construction, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer durant cette saison de Ragnablock. Donc, en fait, ML2G a voulu faire un petit truc, une petite saison un peu spéciale, c'est-à-dire il a voulu faire une saison qui va être plutôt axée sur du multi. Donc on se retrouve en fait en équipe de 2-3 joueurs, hein. Comme vous avez pu le voir, on est 7 équipes actuellement. On va laisser une entrée. Et ces équipes devront tous les mois, un peu dans le même principe, on va dire Koh-Lanta ou les trucs comme ça, tous les mois réaliser un event qui sera complètement différent. Ça peut être une course, ça peut être un défi en redstone, ça peut être enfin, plein de choses. Tous les mois, il y aura un gros event qui sera organisé pour que toutes les équipes s'affrontent et qu'on puisse donner à une équipe en fait l'immunité de ne pas pouvoir être pranké ou quoi que ce soit par les autres. Ça. Ah, j'ai ma souris qui bug en plus, c'est vachement pratique. Tac. Oui, ça n'en fait pas trop quand même. Et donc voilà. Ensuite, mis à part la maison, donc là qu'on fait au spawn, on reste toujours. Donc on est sur Ragnablock, toujours dans le thème nordique. Chaque équipe a un biome, a son propre biome. Où elle va partir sur un thème de son choix, donc ça peut être futuriste, ancien, steampunk, enfin voilà, plein de choses. Et pour notre part, comme vous avez pu certainement le remarquer dans le premier épisode, nous on est parti sur un thème plutôt Fallout 3. Vous pouvez voir, j'ai le Pip-Boy sur le bras, on a les skins exprès par rapport à notre thème. Et donc on va partir voilà sur un esprit totalement post-apocalyptique. Et on va essayer de reproduire la fameuse ville de Megaton que l'on peut trouver dans Fallout 3. Voilà. Alors, tac ici. Il me faudrait le reste des blocs, ce serait bien. Ça. Hop, l'étale ici. Donc. Ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? N'importe quoi. Voilà, ça ici et ici on va faire non je vais pas pouvoir y accéder évidemment hop et hop voilà. Voilà celle-là on enlève voilà donc ça va être l'entrée du petit jardin qu'il y aura à côté ce que je veux faire c'est de temps en temps laisser en fait un genre de petit trou qui va donner un petit peu de relief à tout ça donc pour le faire on va mettre tac, on va mettre un escalier ici, un bloc ici, voilà, et ensuite un escalier ici et un autre ici. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va continuer comme ça du coup. Toi tu t'en vas, hop, donc ici, et de toute façon, moi, je vais laisser un petit peu, quoique. Ouais, non, je vais l'arrêter à ce niveau-là. Je vais l'arrêter ici. Alors, ça fait que là, nous avons un escalier là, là. Ah, j'arrête pas de tomber. Un escalier ici, un bloc ici.
et un escalier ici. Voilà un petit peu le mur de base qu'on va avoir pour le jardin. Ensuite, donc là j'étais sur l'escalier ici, donc là on repart comme ça. Tac, tac. Bloc, il me faut de nouveau des blocs. Donc là, bloc ici, là, là, là. Là, on va aller un peu plus loin que la maison même. On va aller, ouais, jusque là c'est pas mal je pense. Ça me paraît pas trop mal. Donc là, 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 et là, voilà. Là, et ici ça va être complètement fermé vu que de toute façon c'est contre la maison. Ok, alors maintenant on va mettre nos petits escaliers partout. Là. Là ben, ça va être comme ça ici. Ouais pareil, ça, ça et ça. Alors bloc, bloc. Non. Redescend. Enfin j'allais refaire des escaliers, je vais pas en avoir assez évidemment. Une fois de plus, j'ai vu un petit peu trop grand. Bon, ça va, j'ai assez bien éclairé. Visiblement, je suis pas embêté par les creepers et compagnie. Déjà une bonne chose. Hop, toi. On va en profiter pour ajouter les blocs. Ah non, pas là. Faire plus simple. On va faire. Hop. Ok, alors des escaliers. J'ai plus beaucoup de blocs si j'en ai. Bon, avec ça, ça devrait aller. Hop. Ah, ça rend pas mal au final. On va faire le tour, ce sera plus simple pour les mettre. Ah mais c'est pas vrai. J'ai ma souris qui a des petits bugs. Va falloir que je la change bientôt parce que des moments en fait où j'appuie pour aller à gauche et pouf elle bloque. C'est pas pratique. Voilà, bah ça rend bien ça. C'est sympa. Donc alors voilà, ça va être un genre de petit jardin, on va dire, à ciel ouvert. En fait, je veux le laisser, je veux pas mettre de toit ici. Donc on mettra un petit peu d'eau, on va faire un petit truc sympa, quoi. J'ai encore la pelle, tiens. On va faire ça. Voilà, un petit truc comme ça, ça peut être pas mal. Donc un peu d'eau ici. Bon après là je vais juste mettre ça, c'est vraiment pour savoir à quel niveau je le mets. Pour le reste je le rajouterai je pense en dehors de l'épisode. Histoire de... Là. Bon j'ai tout le tour normalement, ouais c'est bon. Tout ce qui est déco compagnie je le ferai vraiment en dehors de l'épisode parce que sinon on va partir sur un épisode de 3 quarts d'heure. Je ferai ça à part. Donc, pour ici, on va partir avec de la cobble. Alors la cobble, je sais, c'est pas joli machin chouette, mais étant donné qu'on a un pack de textures, on peut en profiter de cette jolie texture. Là. 1, 2, 3. Hop. Et hop. Donc ici, on va remonter jusque là. Avec famille. Super. Là. Même chose. Hop. Là. Donc ici, on ferme. Les portes, j'ai pas fait les portes, évidemment. Alors les portes, j'hésite. Je sais pas si je vais les faire avec ce bois, parce que je me rappelle plus du tout la texture, mais je crois que c'est pas la bonne. Bon, on va voir. Non, c'est pas celle-là qu'il faut, parce que ça, c'est des portes à moitié défoncées. C'est évidemment toujours par rapport au thème de Fallout.
Donc il faudra que j'en fasse, je les ferai plus tard aussi. Alors, on va continuer le reste. Attends. Donc ici, on repart là. On repart comme ça. Du coup, j'ai posé de la terre partout, mais il va falloir que je la modifie. Là. À ce niveau, on va repartir sur une petite entrée qui ramène vers le jardin. Donc, on va faire ça. Ça. Et ça. Voilà. Et ici. Hop, ça sera directement ouvert. Allez, pose-le comme il faut. Là, là, là. Voilà. Parce que là du coup ça me laisse un petit espace si j'ai de la redstone à rajouter plus tard. Ça peut être bien. Donc on va faire tout le tour. Hop. J'en ai plus. Hop. Là, le pilier. Maintenant, c'est le moment où on choisit comment je vais découper tout ça. Alors j'ai combien? On va faire 2 et 2. Tiens. Comme ça. Ici. Fermer 2 ici, 2 ici aussi, et ça va pas. On va en ouvrir une de plus là et une ici. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a la base de notre maison, et ça commence petit à petit, ça va prendre forme. On va pouvoir passer à l'étage. Alors, je vous ai dit, après tout ce qui est sol, etc. Enfin, ça, je le ferai vraiment hors caméra parce que ça va être très 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 long à faire. Donc, au niveau de l'étage, j'aurai un escalier qui va monter, je pense, ici. On va le faire. Et on va. D'abord, j'aurais dû faire mes dalles en bois. Alors, du bois. Hop. Là, il me faut voilà. L'échafaudage qui tue. On va donc recouvrir deux dalles ici. Alors pourquoi des dalles? Je vais vous l'expliquer simplement parce qu'on va rajouter deux poutres de traverse en fait. On va en rajouter une, bah d'ailleurs j'aurais dû les mettre maintenant. Alors, hop. On a combien ici? Tac. Donc il en faut une ici. Et une ici. Voilà, donc ici on va avoir des petites poutres de traverse comme ceci qui vont faire tout le long de la maison. Alors j'aurais pu mettre du bois ici effectivement pour boucher. Pour boucher complètement avec la pierre, mais que je mette du bois ou deux dalles, ça va pas changer grand chose. Dans tous les cas, je verrai ça plus tard. Donc ça, et mon escalier, par contre, du coup, je suis en train de m'enfermer là. Après, oui, il faudra que je réouvre là-bas de toute façon. Il faudra que je réouvre au niveau des poutres. Donc, alors, maintenant que c'est fait ici, ce qu'on peut faire, c'est fermer avec métal. Hop. Fermer cette zone. Voilà. Là, en fait, je vais faire. Ah, mais c'est pas vrai. Là. Tu veux pas la mettre là-haut? Voilà. On va fermer juste le bord comme ceci. Donc ici, j'ai dit que je vais avoir un escalier, hop, qui va arriver là. On va faire d'ailleurs l'escalier tout de suite parce que sinon, après, je vais complètement zapper de le faire. Hop. Je commence à blender un peu là. Alors poser du stuff un peu.
Alors, notre escalier qui va arriver à 1, 2, 3. Oui, bah oui, de toute façon, on va faire ça. On va le faire commencer d'ici. Comme ça, on gêne pas par rapport à la fenêtre. Là. Oui, ça, là, de toute façon, j'ai dit qu'elle allait virer. Là. Et ici, un petit dernier. Voilà, ce qui va nous faire un et demi ici. Ce sera largement suffisant. Donc celui-là, on l'enlève. En fait, si je mets deux... si je fais avec les dalles, ça me fait plus la même texture, d'accord. Avec deux. Vous voyez, ça donne autre chose. Donc... on va finir de boucher tout ça. Bon, ça, du coup, on va l'enlever, ça va être plus simple. Voilà. On va boucher uniquement ici pour que ça se voit pas depuis en dessous. Là, eh ben évidemment, ouais. Évidemment. Donc on va faire ceci. En fait, ça c'est uniquement. Remarque, celui-là de toute façon, j'avais pas besoin de le faire. C'est uniquement pour que vous ayez un effet visuel en fait depuis en bas, décalé comme ceci. Voilà, avec les planches, qui donne pas mal. Après, maintenant le but, parce que là on voit les poutres, ça va être d'en rajouter. Ou est-ce que je les rajoute ou pas? Non, je vais faire autrement, j'ai une idée. Une petite idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, du coup, au lieu de faire ce que j'avais prévu. Ah oui, je sais, c'est ça les maisons improvisées, on fait un truc, on démonte, on recommence. Mais je préfère prendre le temps, faire une maison qui va être assez jolie. Plutôt que vous faire un truc bâclé qui va ressembler à rien du tout. Alors, hop. Donc, on va faire directement des planches. Et du coup, j'ai bouffé tout mon bois, je voulais en garder. Bon, c'est pas grave. Voilà, on met directement des planches ici. Ah non. Ah, et là, voilà. Là on y est. Donc on va avoir notre étage ici. Là on va se mettre une belle petite vue sur le jardin. Ça fera sympa. Et ici on va faire un petit balcon. Alors le balcon. Pour le faire, on va faire un petit étage comme ceci. Ouais, mais si je fais l'étage après, j'aurai des problèmes avec les barrières. Donc non. Décidément, je vais pas y arriver. On va faire plutôt, ouais, il reste des escaliers, c'est parfait. On va mettre deux escaliers ici. Là, ça ira. Ouais. Faire. Et donc là, du coup, on va partir avec les dalles. Là. Donc sur notre petit balcon, on va pas faire un truc énorme non plus. Là. Voilà, ok, et il va me refalloir des escaliers. Aïe. Des escaliers. Hop. Je vais pouvoir aller chercher du bois en fait, parce que je vais clairement pas en avoir assez. je me suis dit c'est bon, t'auras largement de quoi faire. Bah pas vraiment en fait. Voilà, comme ceci. Là, là, et là, ok, on y est. Pour le balcon, ça va être good. Il faudra, pareil, bon, ça je le ferai hors épisode, rajouter les barrières tout le tour, etc. Je le rajouterai après.
Il va me falloir du bois, du bois, du bois. Donc, le temps que je coupe ça, parce que couper du bois, ça va pas vous intéresser. Toute petite ellipse, les amis, et puis on se retrouve juste après. À tout. Et nous revoilà, les amis. On est bien plus tard que ce que j'avais prévu, parce qu'en fait, j'avais pas vu la durée que l'épisode commençait à prendre, et du coup, j'ai fini la maison sans vous, en fait. J'ai continué à faire le truc, et je me suis dit que j'allais vous montrer plutôt la fin. Donc, hop. Voilà la belle maison toute belle toute finie, ce que ça donne. Donc là, voilà, j'ai fait tout l'étage. Donc ici le jardin, j'ai un petit peu mis de déco. Il faut que je finisse encore la déco d'intérieur que j'ai pas terminée. Voilà, on a le petit, notre petite bannière de la Légion d'Atomes, voilà, chez Fonzie. La petite boîte aux lettres. Et donc pour l'intérieur, voilà, on arrive ici au premier étage. Donc là c'est pareil, il faut que je rajoute encore un petit peu de déco partout. Au rez-de-chaussée, au premier étage, donc ici j'ai calé pour l'instant juste le lit, la petite table. Là, une petite vue sur notre joli jardin avec le petit balcon ici que j'ai terminé. Voilà, qui nous offre une belle vue sur le Drakkar à Tigra et sur les autres maisons que vous pouvez voir en face ici. Et enfin, le grenier, pareil, il va falloir que j'aménage là-haut, je vais faire pas mal de petits trucs, donc il y a une table de craft pour l'instant et les coffres avec tout mon bordel dedans. Et une petite vue encore ici pour voir l'avant de la maison. Donc voilà, j'espère du coup les amis que cet épisode vous aura plu. Pour le prochain, je pense que je vais voir avec Tigra et Fred, mais comme eux ils ont fini aussi, je sais pas s'ils sont déjà partis sur le biome, mais si c'est pas encore fait, je le ferai avec eux du coup. On partira ensemble. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde!